Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, la chaîne dorée de l'amour. Lisons Jean 13 et versets 34 et 35. Jean 13 et versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Notre Père Céleste est un Dieu de paix. Lorsqu'il créa l'homme, il le plaça dans une demeure de paix et de sécurité. Dans le jardin d'Éden, tout n'était qu'unité et bonheur. Mais lorsque l'humanité tomba en disgrâce, cette unité fut ruinée. Les êtres humains devinrent esclaves du péché. Heureusement, tout espoir n'était pas perdu. Quand nous nous rappelons l'humiliation du Sauveur, nous avons la force de briser toutes les barrières qui se sont élevées contre les frères. Les mauvaises pensées et les médisances sont rejetées. Les péchés sont confessés et pardonnés. La grâce conquérante du Christ entre dans l'âme et l'amour du Christ resserre les cœurs dans une heureuse unité. Si cet amour est vraiment cultivé, le fini se mêlera au fini et tout se centrera dans l'infini. L'humanité s'unira à l'humanité et tout sera rattaché au cœur de l'amour infini. La chaîne d'or de l'amour rapprochant les cœurs des croyants de l'unité dans des liens de fraternité et d'amour en union avec le Christ et le Père produit une communion parfaite. L'union fait la force, la désunion la faiblesse. Unis les uns aux autres, œuvrant ensemble dans l'harmonie au salut de leurs semblables, ils seront ouvriers avec Dieu. Ceux qui refusent de le faire déshonorent le Seigneur. L'ennemi des âmes se réjouit lorsqu'il voit des enfants de Dieu se combattre les uns les autres. De telles personnes ont besoin de cultiver l'amour fraternel pour retrouver l'unité perdue. Cette unité n'exige pas de nous la disparition de notre personnalité, mais simplement que nous nous adaptions dans une certaine mesure aux sentiments et aux méthodes de nos frères. Il arrive que la foi unisse des personnes dont les opinions, les habitudes et les goûts par rapport aux questions temporelles ne sont pas en harmonie. Mais si ces personnes ont en elles l'amour du Christ et qu'ensemble elles considèrent le ciel comme leur demeure éternelle, elles peuvent être dans la plus douce et la plus compréhensive communion dans une merveilleuse unité. Lorsque nous croirons vraiment à la prière du Christ, lorsque nous mettrons en pratique dans notre vie quotidienne les instructions qu'elle contient, on verra dans nos rangs l'unité d'action. Les frères seront unis aux frères par les chaînes d'or de l'amour du Christ. Seul l'Esprit de Dieu réalisera cette unité. Celui qui se sanctifie lui-même peut sanctifier ses disciples. Unis avec lui, ils seront unis les uns avec les autres dans la très sainte foi. Quand nous lutterons pour obtenir cette unité comme Dieu le désire, elle nous sera accordée. Ouais, l'amour est le lien qui réalise l'unité parmi un groupe de gens uniques. En dehors de l'amour et de l'unité que nous trouvons dans l'Église, existe-t-il un exemple de cela dans notre vie quotidienne? En tant qu'individu, comment essayeriez-vous de restaurer l'unité de l'Église si l'amour qui en est le lien était étouffé par l'égoïsme et l'orgueil? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.